Du coup, est-ce que vous pouvez résumer en un mot ce que vous avez vécu dans cet atelier ? Connaissance. Partage. Retour d'expérience. Et du coup, vous repartez dans votre ferme avec quoi concrètement en termes d'idées ? Et là, vous pouvez développer un petit peu plus. Confortation sur ce que je pensais faire, des nouvelles techniques en matière d'homéopathie, enfin, j'ai aucune connaissance. Et donc ça va compléter un peu tout ce que j'avais prévu de mettre en place. Quoi. Ouais. Et en termes humains ? C'est enrichissant, j'ai même pris sa carte, il m'a donné sa carte, on pourra toujours échanger par rapport à l'expérience que je vais mettre en place, je vais lui faire un retour d'expérience. Quoi. C'est un échange gagnant-gagnant. Quoi. Et toi Stéphane ? Alors moi c'était un peu particulier parce que j'avais pas forcément de sujet et de trucs à aborder. Je voyais pas quelle thématique aborder à travers ce groupe de travail. Et finalement, d'apprendre avec mes collègues sur leurs différentes thématiques m'a soulevé un point à proposer au groupe. Et du coup, m'a motivé sur une solution que j'envisageais pas de mettre en place sur la ferme. Donc, merci au groupe. Encore une fois, le groupe est plus fort que le plus fort du groupe. Et merci pour cet atelier-là. Et c'est quoi la solution à mettre en place ? La solution, c'est de se lancer dans le relais cropping. J'avais un peu mis ça de côté parce que je pensais que c'était pas adapté. Voilà. Et finalement, peut-être que c'est la solution pour faire du soja chez moi. Okay. Voilà. Donc, je sais, j'ai pas la réponse, mais ça me motive pour essayer. Ok. Ouais. Et toi, Olivier, avec quoi repars-tu dans ta ferme ? Alors, pour moi, c'était un échange très riche et structuré aussi, qui m'a permis de me rassurer beaucoup sur des choses que j'avais déjà imaginées, mais que j'osais pas forcément mettre en œuvre. Et je repars avec des idées plein la tête, mais des idées qui me semblent concrètes et simples à mettre en œuvre, avec des gens qui m'ont donc rassuré sur la mise en œuvre. Voilà, super quoi. Un bel échange. Tiens, j'ai un truc à te demander. Viens. Donc, Quentin, toi, tu es en études ? Donc en école d'ingénieur, ouais. Le fait de voir tous ces échanges entre agriculteurs, ça te fait quoi ? Bah, je trouve ça super enrichissant. Et de voir aussi qu'il y a des pionniers dans l'agriculture qui sont sur des très grandes surfaces et qui permettent de mettre en œuvre des nouvelles techniques. Et c'est pas que des petits agriculteurs perdus dans chaque coin de la France qui réfléchissent tout seuls, mais ils se réunissent sur un week-end pour échanger, pour développer l'agriculture dans leur exploitation, mais également de le partager et d'échanger. Quoi. Et tu penses que tu vas apprendre beaucoup avec eux ? Oui, je pense beaucoup. Bon bah super, merci à tous. Merci beaucoup.